Le monde de la musique est en émoi. Classical Music News apprend à l'instant la mise en examen de Laurence Equilbet pour contrefaçon par atteinte au droit moral du compositeur Franz Schubert. Coup dur donc pour la chef d'orchestre et son ensemble Insula Orchestra à quelques jours seulement de la sortie de leur nouvel album consacré au leader orchestré de Franz Schubert à paraître chez Warner Erato. Lorenzo, vous êtes sur place. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette affaire pour le moins inédite ? Oui, tout à fait, Claire. L'album à paraître réunit le ténor Stanislas de Barberac et la mezzo-soprano Wiebke Lehmkuhl. Équivalent allemand de la mélodie française, le lied est habituellement chanté par un soliste accompagné d'un piano, comme ici. Les ayants droit du compositeur sont choqués du fait que Laurence Equilbet ait choisi d'enregistrer des œuvres de Schubert orchestrées, donc transformées par d'autres compositeurs tels que Brahms, Berlioz ou encore Britten, et non pas dans leur forme originale avec piano. Ce qui peut paraître logique, car sinon elle n'aurait rien eu à faire. Pas d'orchestre, pas de chef. Et ce serait bien dommage. Er macht das Bächlein tückisch trüben, und ich hätt gedacht, so zuckt er seine Rute, das Fischlein zappelt dran, und ich mit regem Blut sah die Betrogene an. Je me trouve actuellement à la scène musicale où Insula Orchestra est en résidence, devant le bureau de Laurence Equilbet où une perquisition suit son cours. On nous annonce déjà la découverte de pièces à charge, dont les partitions qui auraient servi à l'enregistrement. La truite. Je tiens la truite. Ah, apparemment la pêche est bonne. Je veux dire, l'enquête avance, Claire. Nous avons de notre côté mis la main sur des images tournées lors de l'enregistrement, images qui peuvent s'avérer à charge également. On y voit très clairement Laurence Equilbet prononcer une phrase sans équivoque, magnéto clair. L'art et transformation. Oui. 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 La réaction de certains musiciens est telle qu'elle nous fait craindre la mise en examen pour complicité d'une partie de l'orchestre. Malgré la confusion qui règne dans les coulisses de la scène musicale, j'ai rencontré les deux solistes en exclusivité pour CMN, Classical Music News. Hi, Wiebke. I'm a reporter for Classical Music News. Could you give us your impressions about what is happening right now? I didn't realize it was with orchestra. I just went there with my notes and okay. I think I'm for orchestration of pieces because you create something new. I go to jail now? Oh shit, I think I have to leave. I'm afraid, sorry, ciao. Well, these were Wiebke, c'était les impressions de Wiebke Lehmkuhl. Stanislas, un petit mot. Non mais vraiment, je comprends pas pourquoi ça prend des proportions pareilles, ce procès. Je suis plutôt d'accord avec Laurence. Enfin, je veux dire, un orchestre, on peut garder une intimité avec un orchestre. Moi, j'avais peur de ça, mais je veux pas du tout être complice de tout ça. J'ai peur maintenant parce que moi, j'ai trouvé qu'avec avec l'orchestre, au contraire, on peut jouer avec les balances, on peut trouver une intimité comme avec le piano, il n'y a aucun problème. C'est quand même bien écrit. Vraiment, je comprends pas. Ça prend des proportions énormes. Je vous laisse. Comme vous pouvez le constater, Claire, la tension est ici à son comble. Merci beaucoup, Lorenzo. Nous nous retrouverons demain, bien sûr, pour suivre de près l'interrogatoire de Laurence Equilbet au sujet de cette affaire qui pourrait créer une jurisprudence des plus embarrassantes. À ce stade de l'enquête et au vu de la pression ambiante, je vous propose une petite sérénade pour détendre l'atmosphère. Oh,
Verräters feindlich lauschen, fürchte Hoffnung.